Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, mec. C'est un jour merveilleux, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le bordel. C'est le jour de mon spectacle, Amigo Daon, ça. Je suis trop contente. Je suis hyper heureuse. Il faut que je commence à réfléchir à comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais porter, comment nanana. Bref, je suis hyper contente. Peut-être je vais mettre juste un petit short avec un haut des onces. Et je vais faire un truc simple parce qu'en fait, c'est le premier. Et en gros, on a un événement chaque semaine jusqu'au carnaval. Et plus on avance, plus les gens deviennent fous. Et donc, au niveau de nos costumes et tout, on fait des trucs de ouf. Mais au début, on est un peu en mode tranquille. Donc, peut-être aujourd'hui, j'y vais en mode très tranquille. Ok, ma gueule. Alors, aujourd'hui, je devais aller au space. Non, moi, j'ai pas été. Je me suis dit, oh, je vais rester à la maison. Je vais pouvoir tourner des vidéos tranquilles et tout, au calme. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mes voisins font des travaux. La crampe. Oh, et toi devant? Est-ce que je t'avais montré ça? Je t'avais dit que j'allais faire enlever la table. Et ben regarde, j'ai fait mettre une table pliable là. Qu'on a, un monsieur m'a fait sur mesure, l'ébéniste. Il m'a fabriqué mes bancs. Et là, il m'a agrandi le banc. Donc ça crée un espace merveilleux pour pouvoir vivre, travailler et tout ça. Et j'ai mis une petite lampe là-bas. Et le soir, c'est super agréable. Ce que t'entends là, c'est le vendeur d'œufs. Il est fatigant. Il va rester là pendant 5 minutes en train de hurler. J'essaie de m'organiser. Et en fait, en gros, j'ai des centaines de vidéos. Je dois avoir plus de 200 vidéos qui sont soit écrites, soit en cours d'écriture, soit il y a juste les titres dans mes cahiers. Tu sais, j'ai mon organisation de cahiers. Du coup, j'ai envie de faire une liste de tout pour me rappeler. Et je sais que la liste, je la consulterai probablement jamais. Pourquoi ça met pas la liste? Mais juste le fait de l'écrire, ça me permet de me rappeler en fait tous les trucs qui sont en cours et j'ai besoin de classifier les trucs pour donner de l'ordre. Sinon, c'est trop le bordel, j'y arrive pas. Du coup, j'ai pris un cahier comme ça que j'avais avec des pages blanches. Et en fait, toutes les 4 pages, il y a une thématique et dans chaque page, je vais mettre en fait les titres de toutes les vidéos avec le numéro du livre, du cahier dans lequel la vidéo elle est écrite ou pas, si elle est écrite ou pas. Et j'ai coupé des trucs de thé, comme ça là, des trucs de paquet de thé. Me casse les couilles, oh. Pour marquer les thématiques. Pour faire, tu sais, comme quand on était jeune, les cahiers avec les... Je vais voir si ça marche. Ça veut pas dire que ça va marcher, d'accord. C'est un test. Voilà. Ah, il casse les couilles. Hey, j'ai pas de place sur ma carte mémoire, faut que je te raconte en 2-2. Tu sais que j'ai commencé un nouveau bloco que je t'avais dit avec des musiques du Nord, machin, où je vais danser la lambada, les musiques comme ça, bref, je suis trop contente. J'arrive samedi à la répète, dimanche pardon, j'arrive dimanche à la répète, et qui je vois en train de faire du tambour qui fait partie de ce bloco? Le prof qui m'avait demandé de choisir quand j'étais dans l'autre bloco, celui où je faisais du tchékélé. Du coup, je suis deg, je vais passer tous mes dimanches avec lui alors que je voulais le... tous mes samedis avec lui. Et tous mes dimanches aussi, je vais voir sa gueule parce que je vais faire les échasses et qu'il va être en face de moi. Et ben figure-toi qu'il ne m'a pas calculé. Il ne m'a pas dit bonjour. Je ne l'ai absolument pas calculé. Et ça me prouve à quel point mon intuition était bonne et je sentais bien que ce mec, il n'était pas cool en fait. Alors là, j'ai 30 minutes pour me doucher, me maquiller, m'habiller. Je sais pas encore comment je m'habille, je te montre, d'accord? Je vais essayer d'allumer la lumière. On va voir ce que ça donne. Alors regarde, ça c'est une combinaison qui est à l'envers. En fait, le dos, c'est le devant. Je l'ai mis à l'envers parce que je trouvais ça plus intéressant. Et tu vois, là, je vais juste sécuriser avec une petite épingle à nourrice. Et je vais laisser comme ça. Est-ce que tu vois? Voilà, je vais laisser comme ça, vers là.
Et là, je vais mettre plein de paillettes. Et je pense que ça va être chouette. Thank you.
piquer mes chapeaux. Passez, c'est bon, la norme à masque masculin. Et mes chapeaux. Alors laissez, on peut se mettre sur la seconde, mais à ce moment-là, on va diriger ça. On va laisser que ma gosseuse. Piquer mes chapeaux. Passez, c'est bon, la norme à masque masculin. Piquer mes chapeaux. Marielis, 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 alla bateria, Messo Wesley, parabéns, Messo Wesley, eu tô estranho desse jeito. Nota 10, quando me deixa esperar tanto, eu merecendo também, irmão. Ah, ça y est, je suis rentrée. Oh mon dieu, je suis défoncée. Il est 2h du mat, je suis tellement fatiguée. Alors, bilan de ce premier show. Écoute, c'était merveilleux. En fait, il y a plein de choses à dire. Première chose, il n'y a pas eu d'erreur dans nos chorégraphies. Ça fonctionnait alors que c'est la première fois qu'on fait ce show, enfin le nouveau show. Et franchement, c'était génialissime. C'était super bien organisé. Je pense que cette année, on a eu le temps de beaucoup réviser. Beaucoup réviser. Donc, c'était vraiment chouette. Deuxième chose, l'année dernière, pendant les ensayos, moi, j'étais toujours derrière. Parce qu'en fait, au niveau des chorés, j'étais pas hyper à l'aise, machin. Et j'étais pas en confiance. Cette année, je suis devant. Et c'est trop bien parce que cette année, je suis en confiance et du coup, je m'amuse parce que les anciennes chorés, je les connais, je les ai fait 1000 fois. Les nouvelles chorés, je les ai bien révisées. D'ailleurs, je vais te montrer aujourd'hui, mais je n'ai pas révisé. Mais voilà. Mais ça allait. Donc, les nouvelles chorés, je les connais bien. Et donc, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente parce que là, du coup, cette année, je m'amuse 1000 fois plus que l'année dernière. Et je me dis, putain, pour le carnaval, ça va être ouf. Déjà là, c'est le premier. On va faire ça toutes les semaines jusqu'au carnaval. C'est-à-dire, on a, je crois, 7 ou 8 représentations. C'est génial, c'était la première. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je suis hyper heureuse parce que j'ai vu pour la première fois une école de samba qui se présente. Et en fait, j'ai jamais vu ça parce que tu sais, je vais pas au Sambodrome. Et je pense que ce que je vais faire cette année, c'est que je vais aller aux ensayos des écoles de samba. En fait, toutes les écoles de samba, elles s'entraînent comme nous, on s'entraîne et on peut y aller. C'est la même chose que nous. Et j'ai obtenu par le chef de mon bloco, j'ai obtenu la liste en fait de tous les entraînements, de tous les blocos, de toutes les écoles de samba. J'ai tout, les trucs qui sont gratuits, pas rien, j'ai toutes les infos. Donc, je vais y aller, j'ai envie de voir ça. Et en fait, le chef de mon bloco avait réussi à négocier, je sais pas si c'est toujours valable, mais qu'il y ait une sambeuse là, une reine de samba qui m'apprenne à danser. Genre qu'elle m'offre un cours, je trouve ça merveilleux. Et donc, ah oui, et aussi, je crois qu'il avait réussi à ce que je puisse rentrer dans une école de samba, mais pour danser. Moi, je veux pas défiler parce que c'est pas, tu connais mon positionnement sur ça, donc je veux pas défiler au Sambodrome, mais par contre, apprendre dans une école de samba, je trouve ça incroyable. Donc, ce serait génial. Du coup, je vais voir. Je sais pas si j'aurai le temps cette année, mais j'ai toute la vie, donc voilà, je pourrais le faire l'année prochaine ou l'année d'après, on sait pas. Bref, voilà, je suis très heureuse. J'ai passé une excellente soirée. Maintenant, je vais pouvoir enlever mes fossiles. Regarde, ils sont immenses. C'est ouf. Je sais pas si tu vois. Et alors, c'est marrant parce que j'ai demandé... Ah, oh, putain. J'ai demandé à un mototaxi de venir me chercher. Parce qu'en gros, j'aime pas prendre des Uber. Je préfère prendre des mototaxis. C'est les Uber, eux, ils ont la chance. Ah. J'ai toujours peur que ça marche, mes vrais cils. Les Uber, ils ont la chance d'avoir une application qui leur amène des clients et les mototaxis attendent toute la nuit qu'il y ait des clients qui viennent. Donc moi, je préfère prendre les mototaxis. Et donc là, j'ai appelé mon mototaxi de nuit qui s'appelle Fabio, qui est venu me chercher. Et il n'avait pas de visière. Et mes cils, en fait, comme ils sont tellement grands, avec le vent, ils étaient collés comme ça là. C'était super marrant. Bref, voilà. C'était la petite anecdote du soir. Je vais aller dormir parce que je suis vraiment fatiguée.
Je vais devoir me démaquiller, me laver les cheveux, me laver le corps. J'étais beaucoup par terre. Je suis remplie de... Il a plu, donc je suis remplie de boue, de sable. Dégueulasse. Je te fais des gros gros bisous. Et je te dis à demain pour un nouveau jour. Beijo.